Ahmed, Marshall Mathers, Seminarius. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les initiales MMLP, c'est les mêmes que Marion Maréchal Le Pen. On s'en branle. Pour le contexte, Marshall Mathers LP sort en 2000, soit 6 mois après celui de Dr. Dre. Wouhou, le classique, mon gars. C'est vraiment la musique. Ouf, le... J'ai des frissons. Parce qu'après la sortie de Slim Shady LP... Vous savez quoi? C'est le premier album que j'ai acheté, ever. Celui d'Eminem, là, Marshall Mathers LP. Slim Shady does not give a fuck. But, oh shit! If you don't like it, you can suck his fucking cock. Bon, du coup, il y a des. Alors, lui, c'est l'agent d'Eminem, et mis à part qu'il ressemble beaucoup à Wario dans Mario Kart. Ah, lui, la voix derrière le football, beaucoup de. Top! Génial! Et puis, il avait une façon de rapper un. D'ailleurs, quel gâchis de se dire que le sperme de ce mec vaut plus de 100 millions de dollars. Et en fait, le mec porte un mulet. Mais au contraire, sur celui-ci, c'est Eminem qui produit quasiment tout. Ouais. Alors il va aussi mettre de côté le rap pour s'essayer au chant dans l'album avec un morceau spécialement pour sa fille. Et c'est pour ça que c'est pas l'un de mes albums préférés d'Eminem. En fait, je trouve que Eminem est meilleur en tant que rappeur que producteur d'instru, tu vois. Je trouve que Dr. Dre est bien meilleur à ce niveau-là. Pour la première fois, c'est un album qui va être quasiment produit que par Dre. Yeah, et du coup, ça va voilà, tu vois, ça je le savais même pas, mais c'est ça la magie qui c'est comme ça qu'elle se crée, quand Dr. Dre crée les instrus d'Eminem, sa mère. 2018, après une mise à jour, voilà, il est réinstallé. Voilà. Apparemment, le logiciel s'est enfin remis à rapper. Et même si craché sur la nouvelle génération de rappeurs, ça pue complètement la merde. Ça aura eu au moins le mérite d'être réussi sur le petit rappeur blond tatoué. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao, ciao, ciao.